Bon, alors, je suis ravi, donc vraiment très très content de présenter le... Bon, pas présenter, mais dialoguer avec Hans Trabelsi au sujet de son livre « Sidi Molière, traduire et adapter Molière en arabe, Liban, Égypte, Tunisie, 1847-1967 ». Je suis content, pourquoi ? Parce que bah, je peux dire que je connais un petit peu le travail de Hans, parce que Hans est arrivé chez nous il y a quelques années, hein, maintenant ça remonte, toute jeune, et nous a fait, je me rappelle à l'époque, une très belle communication, hein, très remarquée, et déjà travaillé sur Molière, elle préparait sa thèse, hein, je me rappelle, donc sur Molière, elle a fait une belle communication, qui a d'ailleurs été publiée dans un de numéros de revue, notre revue Horizon Théâtre, et donc depuis, je crois, depuis on n'a pas arrêté d'échanger, 2016, hein, donc et on n'a pas arrêté d'échanger, et voilà. Voilà, et de parler de ce sujet qui nous passionne tous les deux. Et on a eu le bonheur d'ailleurs, il y a l'année dernière en Tunisie, je crois, oui. Les 400 ans de Molière, de se retrouver tous les deux. On était invités en Tunisie à l'occasion du festival de Carthage pour parler de Molière. Donc c'était vraiment une rencontre très intéressante. Alors je parle, voilà, je dis voilà, sur notre un point commun, Molière. Parce que, voilà, bon, je ne suis pas ici pour parler de moi. Je vous dirai si vous me demandez ailleurs pourquoi Molière. Mais en tout cas, voilà, j'ai travaillé sur Molière dès 2013. J'ai publié un article sur Molière, un auteur arabe. Et quoi, on a beaucoup échangé avec Hans, qui était en plein travail sur sa thèse. Il disait, d'où il sort celui-là en parlant de Molière. Et donc, mais c'était un article par rapport à ce livre quand même, qui, voilà, c'est un petit article, alors que là, c'est vraiment, c'est une somme. Alors, j'ai lu avec patience, j'ai lu vraiment avec beaucoup d'intérêt ce livre, parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses, bien sûr, que je connais, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris aussi, et peut-être c'est ça ce qui est intéressant dans le livre de Hans, c'est aussi c'est ce détail, un petit peu, c'est-à-dire que, voilà, elle n'a pas fait juste... Il y a un côté historique qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, moi aussi j'ai cette tendance, c'est-à-dire toujours une reconstitution historique. En fait, elle place bien les choses, c'est-à-dire avant d'attaquer Maroun An-Naqash, c'était les auteurs qui ont traduit, adapté Molière, ben elle donne une idée sur les circonstances historiques, politiques, etc., que vivait le théâtre arabe pendant cette période, c'est-à-dire elle va commencer par, bon, il y a trois parties, hein, le début, donc, à partir donc des premières expériences au Liban, hein, qu'elle a intitulé « Les prémices du théâtre arabe moderne », et elle a raison, parce que c'est vraiment les prémices, et Molière marque donc ce début avec Maroun An-Naqash, et puis une deuxième partie qui est le théâtre de Molière en Égypte, de la découverte à l'appropriation, et on sait très bien, c'est pour ça que c'est vraiment, ça se tient bien, son cheminement, son réflexion, parce qu'on sait que c'est en Égypte que le théâtre s'est développé vraiment, qu'il a, voilà, eu ses lettres de noblesse, c'est vraiment le mouvement important. Et puis, alors là, bon, moi, j'aurais choisi le Maroc, elle a choisi la Tunisie. Donc, la troisième partie, c'est la formation et la circulation d'un modèle dramatique. L'exemple de Molière en Tunisie. Et je crois que, bon, moi je dis le Maroc, mais elle a raison, parce que la Tunisie, tout simplement, chronologiquement, c'était le premier pays du Maghreb où les troupes orientales sont arrivées, et on a essayé quand même bien avant et l'Algérie et le Maroc. Voilà. Donc, il y a ce côté, voilà. Donc, elle brasse vraiment un tableau. C'est-à-dire, si on prend les premières parties de chaque chapitre, on a vraiment un tableau du théâtre, de l'histoire du théâtre arabe aussi, en même temps. Et puis, bien sûr, voilà, elle ne se cache pas derrière cette reconstitution historique qui consiste, comme vous le savez, bien sûr, bon, c'est pas, je ne dis pas, c'est facile, c'est fastidieux, mais quand même de aller collecter les informations, mais non, elle se confronte au texte, et ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a, voilà, elle a pris les textes, vraiment, donc elle les a analysés, elle les a décortiqués, elle nous a montré vraiment ce travail de traduction, d'adaptation avec toutes ces variations, ces variantes, etc., chez les auteurs qu'elle a choisi. Elle a choisi donc essentiellement ben, Maroun An-Naqash, Yaqoub Sannour, Uthman Jalal aussi, et je sais que elle a beaucoup travaillé parmi les premières, je crois, et les rares qui ont travaillé sur Uthman Jalal. Moi, c'est grâce à elle vraiment qu'elle m'a envoyé d'ailleurs les textes de Uthman Jalal, que j'ai découvert le travail de Uthman, qu'on ne cite pas beaucoup, non. Mais Uthman Jalal, son travail pour moi est fondamental, et parmi les adaptations, elle le dira. Donc, et puis Yaqoub Sannour, bien sûr, Uthman Jalal, et bien sûr le théâtre, donc le, comment il s'appelle,
Ali Ben Ayad, bien sûr, avec Le Maréchal, qui est aujourd'hui un chef-d'œuvre du théâtre maghrébin et arabe tunisien. Voilà, donc, c'est une présentation très, très rapide. Donc, bien sûr, moi, je voudrais d'abord poser la question à Ouns. Pourquoi Molière, déjà? Pourquoi moi j'ai choisi Molière ou pourquoi oui. Molière? Oui, pourquoi choisir Molière? Pourquoi consacrer une thèse? Alors le travail c'est le travail fruit d'une thèse quand même, sur Molière. Moi j'ai pas choisi Molière au début, c'est par restriction qu'on a choisi Molière. J'ai fait mon master avec Christian Bier sur, je travaillais... en Tunisie, j'étais en lettres modernes et donc j'ai fait ma thèse, j'ai pas fait beaucoup de thèses, j'ai fait mon mémoire de master sur Andromède de Corneille. Et donc j'étais dans le XVIIe siècle et quand je suis arrivée en France, j'ai fait une comparaison entre, j'ai travaillé sur les gravures d'Andromède avec Lope de Vega, Calderon et Andromède de Corneille sur le théâtre des machines, sur le mythe qu'on utilise dans les mariages de cour et après, dans les cours de Christian Bier, il était question de choisir un sujet de thèse. À la fin de mon master 2, si je l'avais, si j'étais acceptée en thèse. Et dans ce contexte, il y avait Yasaman, il y avait plusieurs dans ce master, il y avait plusieurs airs. Il y avait le théâtre chinois, le théâtre iranien, le théâtre arabe. Et Christian Bier m'a suggéré de chercher quelque chose où j'utiliserais l'arabe. En arrivant en France, j'étais en Tunisie, j'étais étudiante à la prépa et en lettres modernes. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis dit, j'ai toute cette partie de maîtrise de la langue arabe que je ne pourrais pas utiliser. Et donc j'ai pensé à quelque chose. J'ai travaillé au théâtre du Tarmac à une adaptation d'une Hop Story, une pièce tunisienne que j'ai vu en Tunisie et sur laquelle on a travaillé en adaptation. Donc c'est à partir de là que je me suis dit je vais travailler sur un sujet où on adapte le théâtre français vers l'arabe. Et toute cette partie historique dont tu parlais, c'était une partie pour moi, parce que j'étais en train de chercher l'histoire justement du monde arabe. Et donc les premiers textes adaptés du monde arabe, et là j'étais confrontée à la première question, le maréchal Ammar, qui, c'est une pièce tunisienne que tout le monde connaît, que ma génération n'a pas vue au théâtre, mais qu'on a vue. Là, demain, peut-être l'Aïd, ils vont la repasser à la télé tunisienne. Ils la repassent chaque jour férié en boucle, Maréchal Ammar et Felmerisela. Donc Maréchal Ammar, c'était l'arrière-plan quand on sonore et visuel de tous les Aïd de la Tunisie. Et c'est resté dans ma tête, parce que mon père un jour m'a dit que c'était le bourgeois gentilhomme de Molière. Et ce phénomène d'intégration d'une œuvre étrangère dans un contexte local, au point de devenir une partie intégrante du théâtre tunisien, et alors que c'est une pièce de Molière. Donc là, j'ai commencé à chercher. Et quand j'ai commencé à étudier les histoires littéraires à la BNF sur le théâtre arabe, et j'étais surprise par cette de Lando et de tout, enfin tu connais très bien ce le théâtre arabe a commencé avec la traduction de l'Avare de Molière, ce qui n'est pas du tout vrai, déjà du point de vue d'un orientaliste ou d'un occidental, l'Avare envoie directement à Molière, mais quand on dit Al-Bakhil ou Al-Bukhalay à quelqu'un de culture arabe, ça renvoie directement à Al-Jahidh, le texte du 9e siècle, toute la tradition d'argumentation, toute la tradition des avares de la littérature classique arabe. Donc, disons, je suis partie de là pour voir, et c'était difficile de se procurer les textes, donc je voulais, à chaque fois, c'était la traduction de l'Avare de Molière, c'est le début du théâtre arabe, c'est même pas le théâtre de forme occidentale ou le théâtre moderne. Donc j'ai commencé à chercher jusqu'à ce que, j'ai commencé ma thèse en novembre 2010,
juste un mois après la révolution tunisienne, après la révolution égyptienne. Donc c'était très difficile d'aller dans les bibliothèques, concrètement difficile. Et j'étais plusieurs fois, j'ai pas pu avoir mon visa pour l'Égypte. Femme tunisienne très dangereuse d'aller là-bas. Et donc finalement j'ai eu Arzet Lebnen, le cèdre du Liban de Maroun al-Naqash. Et là, justement, l'approche historique, c'était pour petit à petit connaître ce qui se passe. Et donc le plan de cet ouvrage, ça reprend le plan de mon approche. Donc c'était pour moi que je voulais installer ce cadre historique pour comprendre. Même il y a des petits détails sur le génocide druze maronite, parce que Maroun al-Naqash est maronite. Comment il y a tout un chapitre sur Mohamed Ali, sur parce que là on arrive à Nahda, à l'expédition de Napoléon. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ce mythe d'Orient, de Napoléon, comment a été la reprise de plusieurs fausses vérités littéraires et historiques que les intellectuels arabes s'approprient, que la Narva, ça a commencé avec Napoléon, alors que c'est pas vrai, mais ça fait quand même plus exotique des deux côtés. Donc il fallait voir des parties du courrier d'Égypte, aller aux archives de Dar al-Kutub et ses 5 étages en Égypte pour retrouver tout le paratexte à travers les archives et les textes de Al-Jinen, toutes les revues de la partie de la deuxième partie du 19e siècle. Et là, j'étais aussi confrontée à l'histoire de la circulation des troupes, à l'histoire du commencement de la critique théâtrale, l'histoire des termes dramatiques utilisés. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais commencer à chercher les premiers textes du théâtre arabe. Et finalement, par restriction et par choix aussi, je voulais travailler sur Molière parce que je voulais travailler sur les formes traditionnelles aussi et les pièces qui ont eu du succès. Et finalement, les tragédies, même Othmane Jalel a traduit Racine, a traduit Corneille, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et même les traductions de Molière qui ont été traduites en arabe vers l'arabe littéral n'ont pas eu de succès. Donc voilà pourquoi Molière et pourquoi mon choix. Oui, effectivement, l'histoire, c'est un enjeu, hein, on le sait très bien, surtout l'histoire du théâtre arabe. C'est un enjeu, c'est quand on... Vous avez raison, d'un côté ou un autre, on a deux versions en fait aussi. On a cette version très orientaliste avec le théâtre arabe est né avec Napoléon, etc. Et puis on a de l'autre côté aussi, du côté arabe aussi, et côté égyptien. Moi je connais aussi des historiens aussi qui on va dire, qui arabisent à fond aussi cette histoire. Donc ce qui est bien aussi, ce que tu as dit, peut-être dans l'histoire de l'Bakhil et l'Avare, mais je crois que c'est ça, le théâtre arabe, c'est le mélange des deux. Voilà, c'est des deux côtés qui alimentent le théâtre. Et c'est d'ailleurs Maroun al-Naqash, tu le dis bien dans ton livre, il commence avec l'Avare, mais de suite il va sur les Mille et une Nuits. Il y a des fragments du bourgeois gentilhomme dans l'Avare. Même cette pièce, cette séquence de l'Avare, j'ai essayé de... une hypothèse de circulation, parce qu'il y a un voyageur Talasso, il y a un voyageur français qui se trouve en Turquie et qui voit des enfants qui jouent cette scène première scène de l'Avare où Arini Daika, montre-moi tes mains, il leur dit vous avez eu cette scène où, il leur dit dans le Karakoz. Donc je pense que puisque depuis le XVIIe siècle avec Antoine Galland il en parle que Molière a été joué à Istanbul, et je pense que c'est des fragments de Molière qui ont été ajoutés au spectacle du théâtre d'ombre du Karakoz. Moi je le prouve un peu à partir de ce témoignage.
Et cette scène, elle était tellement, tellement connue que peut-être Nakash a commencé. Oui, oui. Parce qu'il n'y a que la scène qui commence, cette scène qui est de l'avare. Après, on a deux avares. Et ça, c'est plutôt de la tradition arabe qui met tout le double Ajib Gharib, Ayouad Wakarakouz. Toujours, il y a le doublant. Donc, on a deux avares dans l'avare de Nakash, Qarrad et Thalabi. Ouais. Après, on a le maqam, hein, on a les chants, les chants, on a le mille et une nuits, on a des fragments de chansons. Quand Mohamed Ali a occupé, son fils Ibrahim Bech a occupé le Liban, ils ont ramené des chansons françaises de l'armée française pendant l'expédition. On les met encore. Et tout cela parce que j'ai trouvé, par exemple, dans le lavare à Al-Bakhil de Nakash, un personnage de soldats égyptiens. On se dit pourquoi ce soldat égyptien pourquoi on fait la parodie du soldat égyptien. Et là, on est confronté à toute cette histoire d'occupation de Mohamed Ali du Liban. Et voilà. Oui, donc on voit bien tout le côté hybride un petit peu. Donc, voilà, une sorte de créolisation aussi de ce théâtre qui est né comme ça. Et moi, je voulais, alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais te poser une autre question. Je sais maintenant, et on le sait quand on fait une thèse, bien sûr, on devient des spécialistes de la question quelque part parce qu'on est obligé de lire pratiquement tout ce qui a été écrit sur la question si on est un chercheur sérieux. Donc, voilà, au maximum ce qui a été écrit, je sais que tu l'as fait. Voilà. Donc, ma question est la suivante, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a été écrit sur Molière. Donc, comme je dis, il y a pas mal de choses, il y a quelques articles. Bon, chronologiquement, le premier article qui a été écrit sur Molière, moi, à ma connaissance, c'est Chenéri, qui est Sidi Molière. Il a utilisé le mot Sidi Molière. Je le cite au début. Voilà, chronologiquement. Puis après, il y a aussi, là, je la vois ici, Monica, aussi, dans le livre sur la littérature arabe moderne. Oui, mais quand même, tu as parlé quand même de l'Arcibas, de Molière, de, voilà, qui... Bon, donc, l'ouvrage, vous savez, l'ouvrage, comme les étudiants le connaissent, l'ouvrage de la littérature. On a étudié le grand ouvrage de la littérature arabe moderne de Boutros Hallaq. Et il y a une partie sur le théâtre. C'est voilà, Monica qui l'a écrite, elle est avec nous, donc qui est une référence, je crois, 2007. Hein. Ça remonte à 2007. Et puis après, on a eu aussi, bon, je parlais, il y a mon article 2013. Et puis, il y a eu le livre aussi de Angela Langone. Oui. Voilà, qui est aussi un livre très important aussi sur Molière et le théâtre arabe, je crois. Mm-hmm. Voilà. Donc, moi, je dis donc... Alors, et puis arrive ton livre. Alors, ma question, c'est par rapport à tout ce qui a été écrit, à ces textes-là, quel est l'apport nouveau, donc, que... ton texte apporte par rapport à ça. Bon, je parlais surtout le livre, hein, parce que les articles, bon, là, c'est un livre qui fait combien de pas. C'est-à-dire, toi, à ton avis, qu'est-ce que tu as essayé d'apporter ou qu'est-ce que tu crois que... voilà, moi, j'ai dit, bien sûr, des choses que je n'ai pas trouvées, mais toi, en tant que chercheuse, qu'est-ce que tu voulais apporter de plus? Et quand tu as fini ton livre, après, avec du recul, quand tu le lis, qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ce qui a été écrit? Voilà, qu'est-ce que j'ai apporté de plus? Grande question. Je pense que c'est un ajout à l'histoire du théâtre, un cadre, parce que je pense, tu le sais bien, qu'il y a une grande lacune de l'histoire, et on n'a pas fini, là, il faut qu'on continue à revoir cette histoire, ces théories, moi, en tant que doctorante, au début, j'étais confrontée à plusieurs... lacune, absence de livres qui... Je ne dis pas que ce livre est rempli une goutte dans cet océan. Et c'est surtout pour revoir ces dramaturges qu'on n'a pas. On parle toujours de Tawfiq al-Hakim, on ne parle pas de Othman Jalel, on ne parle pas de Yaqub Sannour, on ne parle pas... Marichal Ammar, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais il est vu comme je vous ai dit, c'est une toile de fond des jours fériés en Tunisie. Donc, alors que c'est une pièce éminemment tunisienne, très, très ingénieuse, comment on prend une phrase du 7e siècle et on l'intègre à une pièce tunisienne et qui devient
très tunisienne. Je trouve que l'adaptation de Qasbaoui et la mise en scène de Ali Ben Ayed, elle est magnifique. Peut-être que l'apport, c'est de montrer aussi que ces dramaturges, il y a un cheminement de... Ils ont créé un modèle propre à eux. Ce n'est pas une simple imitation du théâtre de Molière. Ce n'est pas, enfin, ce livre, ce n'est pas sur Molière, mais sur ces dramaturges arabes qui, pour s'inscrire dans le théâtre moderne, se réclament de Molière. C'est pour légitimer, par exemple, au temps du Khédive qui aimait le théâtre français, la comédie française, pour s'inscrire dans le théâtre moderne, se réclame de Molière, d'où cette appropriation de six Molière, six dix Molière, Molière ou Nashahir, notre Molière. Mais au fond, quand on analyse les textes, ces dramaturges ont créé un modèle propre à la dramaturgie arabe, qui est cette appropriation, égyptianisation, tunisification de l'héritage, et c'est une réanimation. Il y a, je cite si on a le temps, une petite citation de Duvigneau qui dit que c'est une réanimation, en fait, ce rapport à Molière, ce n'est pas juste. Et donc, pour répondre à cette question, ces dramaturges, ils ont pu trouver les. Comme dit. Les métaphores qu'ils utilisent, Naqash, il dit Sauban, il dit Dahaban Efrangian, Maskouban, Maskouban Arabian, de l'or égyptien dans un moule arabe. Et Jalel, il dit Anza alayha al-thawb al-firansi wa al-busiha thawb arabi. Et ça correspond à ce que demande le public, plutôt de retrouver. Il y a une citation, enfin, une. Par exemple, il dit Ahmed Sidqi, الناس مالها ومال روميو راؤول وحاجات حصلت في ليفربول. الناس عايزه تشوف حوادثنا وشخصياتنا احنا كده بملابسنا. Et je finis par cette citation. Et ils ont compris que le spectateur ne veut pas un Raoul ou un Roméo, il veut quelque chose, justement, un maréchal Ammar. Donc, l'apport, je pense que c'est dans cette citation avec laquelle je finis le livre de Jean Duvigneau. Il faut dire que sans ce contact et sans cet effort de recréation à partir d'une dramaturgie antérieure, il serait impossible de concevoir l'invention du théâtre. C'est au milieu de cette fréquentation et de ces adaptations que se cristallise le désir de créer. Qu'importe, entre guillemets, la trahison dénoncée par les Européens, confinés dans les modèles traditionnels et indignés de voir transposer Molière ou Shakespeare, l'essentiel est dans ce double jeu d'invention et de réanimation des œuvres du passé, sans lesquelles Molière et Shakespeare eux-mêmes n'auraient jamais été ce qu'ils furent. Super, merci. Donc sur ces belles paroles, donc voilà, on termine notre première séance. Merci Ouns. Peut-être un jour tu joueras aussi, je sais pas moi, une pièce de Othman Jeb, parce qu'Ouns, elle est comédienne en même temps, donc voilà, hein, qui sait. Donc merci. Qui devient Anissa. Anissa, voilà. Donc merci à toutes et à tous. Ainsi, voilà, s'achève notre première journée bien chargée et donc maintenant un petit moment de détente. Donc on va aller, voilà, ensemble, bon, pour ceux qui veulent, hein, on va aller vers le centre de notre université et voilà, pour le jazz et pour le petit pot. Merci.